Hey, salut à toutes et à tous, et nous voici partis ensemble pour un nouvel épisode de Paper Mario, la porte millénaire. Et aujourd'hui, on se retrouve dans le château de Carbocroc. Donc, premier donjon qui dit sûrement premier boss et première chose ultra intéressante. Donc, pour cet épisode, nous avons trois défis qui sont... Alors, premier défi, ne pas utiliser les blocs qui rendent les points cœur et les points fleurs. En général, c'est des blocs qui coûtent, je crois, 5 pièces, 10 pièces. Donc, je n'aurai pas le droit de les utiliser. Et ça a la particularité qu'en général, avant les boss, vous avez ce genre de blocs pour vous régénérer. Donc là, j'ai pas le droit. Deuxième défi, donc ne pas utiliser le marteau, sauf si je suis obligé. Donc si vraiment il y a des ennemis qui n'ont d'autre choix que d'utiliser le marteau, je l'utiliserai. Mais sinon, je dois privilégier amplement le saut. Et le troisième défi, que j'avais zappé à l'épisode précédent et j'en étais vraiment navré, mais qui était une très bonne idée, que j'avais bien apprécié, c'est faire une fois charme, donc la compétence charme qui vous permet de remonter votre barre d'énergie étoile, une fois au début de chaque combat. Quelque part, c'est un peu pour remercier le public, vu que c'est lui qui nous encourage et qui nous regarde. Alors autant le lui rendre. Donc c'était à peu près tout pour les défis. Donc je vais essayer de m'y tenir. Et pour l'instant, on va essayer un petit peu de tout découvrir. Donc déjà, on pouvait monter à l'étage. Voilà, donc ça par exemple, normalement j'ai pas le droit d'utiliser. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc aussi, j'ai remis le badge chaud devant. Ouh, attention, le château Carbocroc, les choses sérieuses commencent réellement. Donc oui, j'ai remis le badge chaud devant, vu que désormais, enfin là j'ai le droit et j'avais des points badge de libre. Alors voilà le fameux château de Carbocroc. Mouais, il est plutôt lugubre ce château. D'accord, donc là je sais comment je peux passer avec ma compétence, mais avant ça, j'aimerais voir ce que ça fait si je passe à droite, par là. Ah ok, donc je vais avoir un pont qui est cassé, donc le seul moyen d'y accéder c'est de passer... au-dessus, grâce à notre transformation du Super Mario version avion en papier. Qui, étant jeune, n'a jamais fait un avion en papier pour essayer de le faire voler au plus loin. Bon, après, hein, je garantis pas que ça marchait, mais en tout cas, l'intention y était. On faisait du mieux qu'on pouvait et on en était fiers. Voilà. Et après, on faisait des concours et on se disait « Ah, c'est moi qui y allais plus loin, c'est moi, c'est moi, c'est moi. » Et boum! Oh non, même pas. Oh, oh, petit squelette. Pourtant ça c'est genre, ça normalement c'est un ennemi, enfin bon. Bon bah s'il veut pas se réveiller. Oh là 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 là. Ouatata. Eh ben déjà ça commence bien. Ah oui, la compétence charme, j'ai pas précisé, mais j'ai le droit de la faire avec le perso que je souhaite. Donc normalement je saute et je fais charme. Alors Gumeli, non. Non, je préfère, je vais faire. En fait je vais faire ça, je vais faire top forme. Parce qu'en plus je remarque qu'on n'a pas tout. Et avec Gumeli je ferai charme. Comme ça, on fait deux pierres d'un coup. Allez, go, 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 go. On récupère. Oh, mais allez, bon sang. Ça, c'est quand j'ai pas de chance. Donnez-moi de la chance, de la chance. Non. Voilà. Je n'ai pas de chance. Il me faut des points fleurs. En plus, il m'en faut. Il me faut des points fleurs, des points fleurs, des points fleurs. Allez, des points fleurs. Comment vous voulez viser? Allez, 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 allez. Oh. Ouais, bon. Pas très, très rentable, j'ai l'impression. Bon, au moins niveau point cœur, c'est bon. Par contre, niveau point fleur, peut mieux faire. Et avec Gumeli. Oh, regardez ce qu'ils vont me donner. Ils vont me donner une petite fleur. Youhou! Bah, pile ce qu'il me fallait. Charme. Attention. Bagasse. Hop. Oula. Ah oui, faut que j'essaie de faire B. Ouais, mais B, par contre, c'est un petit peu plus délicat. Et donc là, rien de plus facile. Un petit saut pour la route. Et on s'en occupe. Ah oui, Gumeli, habileté, coup de tête. Non, je veux que tu fasses ça sur l'autre. Histoire de le retourner. Ah non, faut que je le fasse deux fois. Oh, le timing. Je vous dis, le timing, je ne gère jamais. Multibon. Oh oui, ça peut être pas mal pour une bonne raison. C'est que je retourne l'autre en même temps. Et avec Gumeli, justement, j'ai pile les deux points de vie pour le terminer. Oh là 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 là, mais quelle perfection. Et l'autre comme ça. Attention. Ok, j'ai pas eu de chance comme d'habitude. Je crois qu'on, depuis le début du let's play, jamais une seule fois on a eu une chance ou autre sur la roue de la fortune, si on veut appeler ça comme ça. Hein. Vous m'aurez compris, pour ceux qui auraient vu le jeu, je crois que c'était avec deux chavannes, enfin un truc du genre. Et avec le petit toutou, et avec la blonde. Mais ça, ça commence à dater déjà un petit moment. Ouh, toutou. Oh my. Ah d'accord. Ah, en plus j'ai pris l'initiative sans le vouloir. Bah pourquoi pas, hein. 1, 2. Et normalement ça, voilà, si j'arrive à le faire deux fois, ça le retourne. Donc là on va refaire la compétence charme, on le fera avec Gumeli. Avec Mario on va faire en multibon. 1, 2 et 3. Boum.
Oh là là, mais quand c'est pas le fait. Pour l'instant, on s'en sort bien. Donc, Goumeli, s'il te plaît, fais plaisir au public. Un petit smile pour les routes. Avec plein de... Ouh, mince. J'étais tellement concentré sur la régénération du pouvoir étoile que j'ai même pas fait gaffe. Et j'essaie de contrer avec B, mais c'est quand même galère. Hein. C'est pas simple du tout. Donc là, on va refaire multibond. 1, 2, et 3. Wouhou. Putain, je m'en sors au niveau timing. Ça va, hein. Je fais pas trop n'importe quoi. Et je pense que bientôt, de toute manière, on refera le top form histoire de récupérer aussi nos points fleurs. En plus des points cœur. Ah, ça c'est vrai que Mario peut récupérer un point cœur par tour. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un tour. Mais vous aurez compris, c'est la phase durant laquelle l'adversaire passe et puis après c'est à Mario que ça revient. Donc, pour l'instant, les combats sont pas trop difficiles. Les ennemis, on a l'habitude, les Koopas, ils font un petit peu plus rebelles vu qu'ils ont des lunettes de soleil et une sorte de chaîne au cou et des bracelets, enfin... Attendez, c'est quoi? Attention, ça c'est un éclair. Boum! Ouais, je crois qu'en fait, l'éclair, c'est un objet qui pouvait nous intéresser. Mais je voulais pas prendre le risque, en fait, c'est surtout ça. Allez, tiens, petite tortue! Mange-moi ça! Pour Mélie, vous aurez droit à un ragoût de tortue. Je sais pas si ça existe. Je pense que ouais. Non, ça doit exister. Non, de toute manière, tout se mange, alors je pense bien que ça doit se manger. Ah oui, et tant que j'y pense, la prochaine amélioration que nous devons, qu'on montrera, donc ce sera les points fleurs. Vu qu'il nous manque quand même quelques points fleurs, ça ferait pas du tout de mal, je pense. Alors, là, normalement, je reviens à gauche. Rien de grandiose. D'accord, c'est pour faire... Pour revenir aussi de l'autre côté. Vu que le pont est un petit peu crassé. Donc là, je peux rien faire d'autre à part aller à droite. Donc, on se dirige à droite. Attention, combat. Est-ce que j'évite? Oh, boum! Non, j'évite pas, mais j'ai l'initiative. Donc, dans les deux coins... Oh, en plus, encore 3. Ça, par contre, 3, c'est quand même lourd. Hein. Il pourrait faire un petit effort, quand même, hein. Bon, on va refaire top form avec Goumeli, je ferai un petit coup de charme. Allez Mario, cette fois-ci, on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Là, 1, allez, allez. Et là, il n'y a pas de champignons. J'évite de le faire trop n'importe comment, pour justement ne pas me choper un champignon par inadvertance, ce serait dommage. Oh là 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 là, et c'est la première fois. Oh mais regardez-moi comme j'ai géré. Première fois que j'ai autant géré, je crois. Ah ouais, là, franchement, je me dis bravo à moi-même, parce que ça le mérite, ça le mérite. Donc, attendez, là, je vais essayer de contrer. Ouais, yes, c'est bon. Et on va essayer avec l'autre. Ouais, ah, bah voilà. Quand j'essaie d'un petit peu plus me concentrer, faut croire que ça veut marcher. Donc là, on va essayer. Oui, oui, tip-top. Là pour l'instant je me suis pas loupé. Oh et en plus l'autre qui se reçoit. Oh dommage. Il s'est reçu un petit truc sur la tête. Et voilà. Avec Mario je pense que je vais refaire un petit coup de multibond. Histoire de finir celui qui est devant. Et en plus derrière Goumeli pourra terminer celui qui est derrière. Autant utiliser nos points fleurs. Et c'est vrai que c'est dans ce genre de cas qu'on se rend compte que 5 points fleurs c'est vraiment pas beaucoup. Autant les points cœur, bon bah, on en perd mais récupérer ça va assez vite. En plus Mario a la chance d'avoir le badge qui convient. Autant les points fleurs, ça part un petit peu plus vite. Donc c'est vrai qu'il faudrait quand même porter un petit peu plus d'attention à ce niveau-là. Alors. Oh, ça c'est un badge. Le badge super rebond. Sautez sur l'ennemi tant que vous réussissez la commande. Oh, bah voilà. Non, ah, ouf. Je pensais en fait au départ que le badge... Attendez, le badge multibond c'était ça. Donc en fait je préfère amplement mettre super rebond. Sachant que pendant cet épisode, normalement, j'ai pas le droit d'utiliser le marteau, donc ça j'enlève. Chaud devant, ouais, pas très utile. Donc je mets super rebond. Allez. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas encore testé Koopa. Oh, je devrais le mettre, comme ça, ça nous fera. Enfin, ça vous montrera autre chose pour les combats. Quoique, est-ce qu'on va pas avoir de nouveaux ennemis et je vais en avoir besoin de Goumeli? Oh. C'est Zo. Il. Je suis presque sûr que ce sont de mon père. Oui, c'est certain. Papa! Mais... Mario, on dirait qu'il y a une sorte de lettre sous les yeux de mon père. Qu'est-ce qu'on fait? On la lit? Ben, on la lit, oui, allez. D'accord, allons-y. Mon cher Koopa. Alors, je suis venu... Je suis venu ici pour terrasser Carbocroc, mais je ne puis aller plus loin. Je tiens toutefois à informer mes prochains d'un point faible de la dragonne.
Elle redoute en effet les autres noms qui débutent en gre et finissent en ouille. Donc, ce que vous m'aviez déjà dit en indice, donc la grenouille, un objet permettant de viser ce point faible est caché dans le château. J'ai appris que cet objet était indispensable pour espérer vaincre Carbocroc. Par ailleurs, la méchante Carbocroc a parfois recours à la ruse. Ne succombez pas à ses stratagèmes, restez fidèle à vos convictions profondes. Je n'ai plus la force de poursuivre ma lettre, mes yeux se ferment. Dites, je vous en prie, à mon fils Colorado que son père l'aime tendrement. Quoi ? Son fils Colorado ? Pas son fils Coupec ? Youpi, ce n'était pas mon père, ce n'était pas lui. J'aime bien, il est content. Ouais, il est mort. Oh, c'est pas mon père. Oh, c'est encore plus cool. Mais si ce squelette n'était pas le sien, c'en est peut-être un autre. Ah oui, c'est surtout ça. Donc en fait, tous ces squelettes, c'est des coupes. Enfin, c'est des coupas qui sont morts. Coucou. Clac, 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 clac. Qui s'aventure dans ce château ne mesure pas le prix de sa vie. Vous n'irez pas plus loin, votre squelette restera dans ce mur. Et je n'ai pas changé de perso pile quand j'ai un nouveau combat. C'est génial. Waouh. D'accord. Mais tous ces squelettes, impossible Mario, ils ne reposent, comment faire? Ah d'accord, un marteau. Oui mais je m'en fous. Moi là, ce qui m'intéresse, je veux changer de compagnon. Tu me mets Goumeli, voilà. Et maintenant, marteau. Allez mes petits, on dit au revoir. Enfin on dit plutôt bonjour au marteau de Mario. Et boum. Alors, tu fais ton fier maintenant. Moi j'ai pu changer et je vais pouvoir faire un 10 avec Goumeli. Donc si je fais un 10 avec Goumeli, ça implique qu'avec Mario je fasse un petit peu de charme. On va charmer le public. 50 ils sont. Ah ouais. J'ai jamais eu un public aussi grand hein. Alors un 10. Déjà le rose. Le rose me semble être le plus dangereux de tous. Allez bim. Oh oui, en plus taille. C'est un squelette écarlate. Il est sinistre tout en rouge. PC Max 5, puissance 3, défense 1, un peu fort en attaque. Ah ouais, d'accord. Puissance 3, ça fait mal. Une fois battu, ses os restent et il se reforme au bout d'un certain temps. Il vaut mieux abattre tous les autres Koopas squelettes avant de t'attaquer à celui-ci. Il peut appeler d'autres Koopas squelettes s'il ne reste pas beaucoup avec lui. De toute manière, je n'ai pas trop le choix. Pour la simple et bonne raison... Attendez, je me concentre. Voilà. Pour la simple et bonne raison que... Normalement, j'ai pas le droit d'utiliser le marteau. Mais si la défense est de 1, j'ai pas d'autre choix. Goumeli, s'il te plaît, refais-moi un petit coup d'indice. Et eux, dis-moi justement si. Enfin, leur défense, surtout, c'est ça qui m'intéresserait. C'est un Koopa squelette, comme son nom l'indique, c'est un squelette de Koopa facile. PC max 1, puissance 2, défense 1. Il lance des os, parfois il appelle des alliés en renfort. Dans ces cas-là, il faut une technique et les attaques sous d'un seul coup. En objet, est-ce qu'en par hasard, on n'aurait pas une flare de feu? Non. Block Pow. Retourne sur la carapace. Oh, ça c'est pas bête! Ben voilà, j'ai trouvé. Technique. Ça cheatait. Et voilà. Content d'être passé. Auto. Là, je suis désolé. Par contre, je vais devoir utiliser le marteau. Pas le choix. Habileté. Ah ouais, bon. En plus, Goumeli peut rien faire. Ah, donc d'accord. D'où l'intérêt de changer de partenaire et de prendre... Coupec pour tous les avoir d'un coup. D'accord, je viens de comprendre. Donc là, il n'y a pas le choix. Coup de marteau. Concentration. Aïe, ça fait quand même mal hein. 3 points de cœur en attaque. Je crois que c'est un des adversaires qui a le plus d'attaques que j'ai jamais vu. Que 1. Oh bah dis donc, c'est pas qu'on va aller loin hein. Heureusement que j'avais le bloc pas. Sinon je pense pas qu'on... Je pense que le combat aurait pu durer un petit peu plus longtemps. Ah ouais, niveau XP, on va monter d'un niveau. Ah ça c'est bien. Ça j'aime bien. Allez, et on part. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que vu qu'on va continuer, je vous fais juste une petite ellipse histoire d'aller sauvegarder. Je reviens là pour éviter au cas où qu'un petit problème se produise. Donc sur ça, à tout de suite. Et donc, on se reprend directement devant la porte après avoir sauvegardé. Et comme ça, ça nous évitera des petits soucis. Ah oui, je vais garder aussi justement Coupec, vu que... Là maintenant, vu qu'ils ont de la défense, ça sert à rien justement d'utiliser Goumeli. Ah oui, donc là faut que je fasse charme. Ah ouais, mais le problème c'est que si je fais charme, je voulais faire top forme. Ah mais oui, mais je peux pas faire top forme, d'accord. Bon, déjà un petit coup de charme. Bonjour, messieurs, dames, encouragez-moi s'il vous plaît pour le combat. Et avec Coupec, bah, lance carap. Est-ce que si j'en tue déjà un? Allez, on va déjà en tuer un.
Attention. Style. C'est vrai que là, avec Total, justement, c'est fait exprès le Total Carap. Ouais, yes. Pour tous les tuer d'un coup. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique. Mais vu que là, j'ai passé deux points fleurs, j'ai pas moyen. Donc j'attends le prochain combat, en fait, pour faire top forme. Et ensuite refaire charme au début du combat. Comme ça, en fait, d'une pierre deux coups, comme on dit, par chez nous. Hey, style. En fait, j'ai l'impression que je fais à n'importe quand, après qu'il ait attaqué. Ah, et c'est vrai que j'avais dit qu'on avait up, mais c'était n'importe quoi. On n'avait même pas up, on était à 2 points étoiles. Et donc, comme promis, nous allons booster les points fleurs. Donc, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce qui vous plairait pour la prochaine évolution. Donc là, on choisit les points fleurs, comme ça, on aura amplement de quoi faire. Et surtout, quand on utilisera désormais top form, ce sera beaucoup plus rentable parce qu'on dépassait souvent les 5. Attendez, là, je veux ça. Obtenir un soleil, un objet étrange qui dégage du pouvoir. Donc maintenant on va pouvoir booster nos compagnons. Et alors ça c'est super positif. Ah voilà, et autre chose, bah vu que maintenant on a un soleil, n'hésitez pas aussi à me dire qu'est-ce que vous voudriez que je monte. Est-ce que vous préféreriez que je monte Coupec pour de nouvelles compétences, ou est-ce que vous préféreriez que je monte les compétences de Goumeli? Donc ça je vous laisse le choix. À vous de décider, vous êtes maître de votre destin. Ouais. Ah, c'est vrai que je me souviens maintenant, on peut faire ça, je crois. Attendez. Bon, déjà ça, voilà, bim. Attendez. Et je caboum. Là, il redescend, d'accord. Et si maintenant je fais ça. Voilà. Maintenant, t'attends, mon petit. Et justement, on va s'en servir comme ascenseur, si je me trompe pas. Voilà, boum. Oh mon dieu, mais quand c'était bien pensé. Oh, et c'est tout ça pour un morceau d'étoile. Bon, moi je dis pas non, hein, morceau d'étoile. Pratique. Ah, et là. D'accord, et ça je peux casser, c'est ça? Boum. Et si je peux casser, je peux aussi faire un truc du genre. Allez, boum. D'accord, donc là je peux monter. Mais pour l'instant, c'est pas ce qui m'intéresse. Allez, mon petit Coupec. Coupec, oui, c'est Coupec. Coupec, si je me trompe pas. Tu vas nous être très utile. Comment en fait t'es censé être utile? Ah, mais peut-être comme ça. Ok. J'avais pas pensé dans ce sens là. Allez, boum. Actionne-moi cet interrupteur. Ça j'adore. Le jeu, les jeux avec le décor. Mais ça c'est tellement bien pensé. Après tout, c'est ça qui fait le charme de Paper Mario. C'est que ça a beau être simple avec des graphismes, voilà, qui sont assez basiques. Mais ça passe nickel. C'est coloré, c'est tout ce que vous voulez. Ça a son charme, c'est génial. Obtenu une clé château, clé de la porte du château de Carbocroc. D'accord, et maintenant où dois-je aller, monsieur? Je ne sais point où ma destination doit me conduire. Déjà, on va revenir en arrière. Aïe, bon, bah mince. Donc, comme j'avais dit, stratégie de malade mental. En plus, ils sont 4. Regardez, vous voyez, ça sert à rien de sauter dessus. Ils sont complètement invulnérables. Donc, autant utiliser Coupec. Donc, déjà avec... Ah, mais je dois faire charme. Bon, alors à ce moment-là, ce qu'on va faire, top forme. Déjà, première... Mais mince, je suis monté d'un niveau. Mais pourquoi j'ai fait cette technique? Ah, je suis bête. Ah non, là, j'ai zappé. Oui, j'ai monté d'un niveau, donc j'ai tout récupéré. Ce que je viens de faire n'était pas forcément des plus utiles, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, de toute manière, peu importe ce que je récupère, ça me sert pas à grand-chose. Bah, c'est parfait, comme ça, je vais pouvoir faire un charme qui va m'être quasi utile. Enfin, parce que je viens de dépenser un top form pour rien du tout. Voilà, les bonnes vieilles habitudes. J'étais tellement parti sur mon plan génialissime, persuadé que ça allait être génial. Et maintenant, bah, je vais être obligé de faire un petit charme et de me prendre les coups du public. Enfin, du public, non, des monstres en face de moi. Bah, au moins, ça va me faire travailler. Boum! Non, ça marche pas. Allez, toi. Ah, lui, il voulait viser celui-là derrière. Non, lui, s'il voulait viser celui-là devant. Voilà, boum! Au moins, j'en ai réussi un. C'est déjà ça. Donc, mon petit Coupec, tu vas leur montrer comment Total Carap, ça gère sa maman. Voilà. Oupo! Oh, violent quand même, hein. Ah ouais, niveau XP, ça rapporte bien pour des combats qui durent rien du tout. Ah, ça, c'est une bonne idée. Un bon endroit si on veut gagner d'expérience. Bon, déjà, on va revenir en arrière. J'aimerais bien savoir à quoi me sert cette clé. Y a pas un petit indice par-ci, par-là? En tout cas, déjà, si j'ai une clé, c'est bien qu'elle doit servir à quelque chose. Après, la question, c'est où dois-je l'utiliser? Alors là, par contre, j'ai pas souvenir d'avoir vu une porte qui avait nécessité d'avoir une clé. Donc là, non, là, on va avoir un cul-de-sac. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il faut que je revienne sur moi en arrière, sur mes pas.
Attendez, j'essaie de réfléchir à 2 secondes si j'ai pas loupé un truc. Attends, déjà on va essayer de repasser dans de l'autre côté. Peut-être que c'est tout simplement de ce côté-là et que j'ai dû pas faire très très attention. J'ai pas été peut-être très attentif. Et si je ressors dehors, qu'est-ce qu'on a à l'extérieur? Ah mais non, mais là on sort carrément du château de Carbocroc, donc c'est pas le but. Ah oui, quelqu'un m'a fait remarquer que justement à l'extérieur, on avait accès à blablabla. Il y avait un badge justement où on avait besoin de Coupec pour l'utiliser. Mais ça, on ira le récupérer sûrement après ce château. Donc là, je suis un petit peu paumé, si vous voyez ce que je veux dire. Le mot paumé veut dire littéralement, je ne sais pas quoi faire, je suis perdu. En tout cas, je ne sais pas où est cette porte. En tout cas, on a une clé. C'est bien d'avoir une clé. Mais si vous savez pas à quel... Oh mince, c'est vrai que... Ah, j'avais zappé, quand on sort d'un donjon, on est obligé de se refaire tous les combats. Ah, ça par contre, c'est pas bon. Ça, j'avais complètement oublié et ça va... Ça risque de nous faire perdre un petit peu de temps. Donc je vais essayer de les éviter. Bon, au pire, ça nous fera des petits combats par-ci par-là et ça nous fera un peu d'expérience. Bon, en fait, là, je suis juste en train de revenir carrément en arrière. Non, 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 non. Ça va, ils sont pas plus rapides. Ils sont pas plus rapides que Mario, donc ça, c'est déjà positif. Ah, mais attendez. Mais vous êtes sérieux? Dites-moi pas que c'était... Attendez, je vais retourner l'escalier. Et alors, c'était juste à droite. Et j'ai pas été fichu de le remarquer une seconde. Non. Oh mais sérieux. Alors là je pense que vous avez eu envie de me fusiller sur place. Et fusiller, et encore je dois être gentil hein, parce que vu le niveau de d'intelligence. Donc déjà on va sauvegarder. Et on va faire les petites notes. Voilà. Partie sauvegardée, merci. Merci monsieur émulateur qui sauvegarde. Ah, là, on a moyen de faire monter le gros bloc, un truc du genre, c'est ça? Donc, on se met sur les blocs. Et Cooper, allez, montre-moi ton super pouvoir. Ascenseur! Bon, c'est pratique, hein, ça fait un ascenseur gratuit, tranquille, easy. Tout ce que vous avez envie. Ah, et donc la deuxième clé, je pense, ça doit être pour là, justement. Donc, je vais tâcher de me souvenir que si on a la chance d'avoir une clé, c'est sûrement pour venir ici. Ah, et là, je peux pas, d'accord. Merci, je viens de comprendre, vous voulez pas de moi, hein? Discrimination. Pauvre Coupec, lui qui se sent enfin utile, et ben non, vous avez mis un petit peu plus haut histoire de l'embêter. Vous êtes méchant! Ah, je pouvais aussi tout simplement avancer, bon pourquoi pas, hein? Je me suis pas posé la question. Un boulet, d'accord? Non, 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 tu m'auras pas, tu m'auras pas, tu m'auras pas. Oh, ah, et le badge il est là! D'accord, j'ai compris! Le badge est ici! Bon déjà, actionne-moi ça. Qu'est-ce que ça fait? Ok, encore? D'accord, bon, bah, déjà on va le faire une fois. Oh! Ah, d'accord, il y a un temps. Ah bah oui, sinon ça aurait pas été marrant. Autant nous faire utiliser toutes les compétences de notre cher ami Coupec. Et voilà, comme je vous ai snobé. Allez, je peux pas aller à gauche, d'accord. J'ai préféré tester parce que me connaissant... Oh! Oh, je crois savoir ce que c'est. Il y a bien longtemps que personne n'était venu jusqu'ici. Tiens, mais si tu entends ma voix, tu dois être le héros légendaire, non? Tu parles. En fait, je crois que n'importe qui peut m'entendre. Je vous ai bien eu. Mais dites, vous ne voudriez pas m'aider à sortir de ce coffre? Ça fait rudement longtemps que je suis là-dedans et c'est vraiment pas drôle. Vous avez juste à trouver la clé et à la mettre dans la serrure. Quoi? Un maléfice si vous m'ouvrez? On vous l'a déjà fait? Non! C'est horrible de faire ça! Mais avec moi, vous ne risquez rien! Bien sûr que non! Ouf! À votre avis, si vous m'aidez à sortir de là, je crois que je pourrais même vous rendre un service. Un prêté pour un rendu, comme on dit, c'est la moindre des choses. Alors si vous êtes d'accord, venez mourir après avoir trouvé cette clé. Ok, vous sentez venir le coup encore bien foireux. Mais le pouvoir qu'on va avoir, normalement, sera vraiment super utile. Si j'imagine bien ce que c'est. Donc là, je suppose qu'on doit pas passer sur les pics. Si on n'a pas envie de se faire... comment on pourrait dire? Se faire empailler, se faire... encastrer, se faire... En tout cas, avoir mal. Ouh, regardez, il y a encore une fissure. Alors là, moi, je veux, c'est le coffre. Donc, qui dit coffre, dit direction... Par ici! Là, il y a une clé, c'est ça? Allez, balance ta clé. Obtenu une clé noire à l'usage inconnu. Ah, c'était juste pour le
Mario, regarde. Ah, il y a même du temps. Mais c'est génial. Allons-nous-en. Ah, d'accord. Ah, mais moi, j'ai fait le chemin en pensant justement que si je le faisais pas, j'aurais ce genre de problème. Bah, au moins, c'est bien comme ça, je connais déjà le chemin. Ouais, bon, j'arrive quand même à me gourer en disant que je connais le chemin, hein. Donc là, c'est bon. Ouais, ouais, allez, tranquille, hein. Franchement, easy. Pas trop difficile, le plafond, on peut encore continuer, ça ne me dérange pas. Allez, vas-y, montre-moi ton maléfice. Oui, pas mal. Bien, puisque nous avons la clé, ouvrons ce coffre étrange. Mais avant ça, je bois un coup parce que je vais devoir faire une voix maléfique et ça va me casser la voix. Ah, voilà, je suis prêt. Oh, vous avez apporté la clé, chouette. Mouah ! Imbécile ! Oh là là, mais je ne m'y attendais surtout, sûrement pas. Imbécile, quel brillant causeur je fais, je vous ai bien eu. Cet endroit est un piège et vous n'en sortirez jamais. Vous mourrez ici comme de chiens, tel est votre destin. Et par-dessus le marché, je m'en vais vous jeter un redoutable maléfice. Préparez-vous. Oh là là, mouah ! Te voilà ensorcelé, tu ne l'as pas volé. Ce maléfice est encore plus terrible que celui qu'on t'a ajouté avant, je te préviens. Quand tu appuies sur R, ton corps s'aplatira complètement. Et moi, terrible, hein, montre un peu comme tu es ridicule, appuie sur R quelques instants. Et voilà. Alors, est-ce que maintenant, peut-être maintenant, vous aurez compris comment avoir un certain badge. Moi, le ridicule de chez ridicule, padre. Quand tu appuies sur R, tu es tout aplati et tu perds ton agilité. Tu as bien compris le fonctionnement du sortilège, tout compris. Alors salut abruti, moi. Si vous vous souvenez, dans le village justement des Koopas, il y avait un endroit où on pouvait pas avoir un badge parce qu'il fallait qu'on soit aplati. Et maintenant on a ce pouvoir, parfaitement ce qu'il nous fallait. Et regardez, attention. Et boum, magie, magie, magie. Et maintenant je peux traverser les barreaux. Le badge FX attaque A, quand Mario attaque ça fait un bruit de grenouille. Oh là 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 là. Et on va l'équiper tout de suite. Pourquoi se priver d'un badge qui fait un si beau bruit? En plus il est gratuit. Après tout, il y en a besoin, donc vu que c'est nécessaire, forcément qu'ils allaient nous le laisser gratuit. Et oui, 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 oui. Donc je vois qu'on en est... Ouais, allez, on est à 28 minutes. On va s'arrêter là. En tout cas, j'espère vraiment que cet épisode vous a plu. Pour une fois, ça aurait été assez tranquille. Petit combat par-ci, par-là. On a bien avancé dans le donjon. Normalement, prochain épisode, je pense qu'on va sûrement s'attaquer au boss. Ça risque sûrement de faire bobo. Si vous avez des conseils ou autres... Maintenant, de toute manière, j'ai compris que le badge grenouille était essentiel si on voulait vaincre la dragon du château de Carbocroc. En tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Un petit pouce bleu, ça fait toujours très plaisir pour me montrer que cette série, vous l'appréciez toujours autant. Et si l'épisode vous a plu, alors autant me le montrer. Montrez-moi votre joie, votre bonheur. Partagez-le avec moi. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Paper Mario, les amis. Donc sur ça, ciao à toutes et à tous !